Bonjour Guillaume. Bonjour Jérémy. On se retrouve pour un nouvel épisode de Un livre, une routine. Mais de quel livre est-ce que tu vas nous présenter une routine Et oui, aujourd'hui? on va parler de Me, My Garden Eye de John Carey, qui est un livre pas oublié, mais en fait c'est un petit livre et souvent on passe à côté et en fait il y a beaucoup de routines dedans. C'est un livre plutôt destiné, on va dire, débutant. Débutant ou passionné de tours automatiques ou semi-automatiques? Ouais, du simple et efficace, quoi. C'est toujours ça, ouais. Sans trop se faire mal aux doigts. Et moi, souvent, je le conseille quand un client vient et qui me dit bah, tiens, je débute la magie des cartes. J'ai déjà quelques bases, les comptages Hemsley, levée double, etc. Qu'est-ce que vous pourriez me conseiller comme livre? Ben, je trouve que c'est un bon compromis, ce livre, parce que dedans, il y a quelques techniques, mais vraiment très basiques, et pas tant que ça. Et par contre, il est très fan de principes automatiques qui sont. Alors, ça a peut-être pas bluffé un magicien, quoique. Non, pour le coup, pour tout vous dire, Guillaume m'a montré les tours juste avant de les proposer et bah, je me suis retrouvé surpris. Alors, après, j'ai toujours ce regard de m'émerveiller Voilà, et après tu face remontes à le de la truc. magie et après, tu arrives à remonter le truc. Mais sur l'instant, je ne l'ai pas remonté immédiatement. Donc, Ouais, donc après c'est aussi la présentation qui va faire la toujours. différence, mais souvent voilà, c'est pas basé sur des choses très techniques, mais par contre quand on a une belle présentation, ça peut vraiment fonctionner très bien. Et c'est marrant parce que tu vois, des souvenirs que j'ai avec Magic Dream, ça a été la conférence qui avait été organisée il y a quelques années au magasin avec du coup Avec John John. Carey. Et donc, il nous avait effectivement alors parlé justement à la base de son livre Minimalistica. Tout à Et il fait. commençait aussi à montrer des routines extraites Oui, en fait, il présentait le de Me, My livre, Garden Eye. il présentait des tours de Me, My Garden Eye, mais le livre n'était pas encore traduit en français. Et c'est à l'occasion de cette conférence qu'on lui a acheté les droits du livre et qu'on l'a fait traduire. Est-ce que je peux Donc avoir une voilà. démo, Allez, du on y coup? va, on y va, on y va. Donc bah voilà, hein. On va commencer avec un tour très simple. Par ce qu'on appelle en magie une open prédiction, Jérémy. Très bien. C'est-à-dire que moi, je prédis que tu tomberas, tu choisiras le roi de cœur. Ok. Tiens, je vais te demander de prendre mon jeu Ok. et de couper un tiers du paquet. Garde-le dans la main, garde le Ok, jeu dans la ça main, et marche. tu coupes un tiers du paquet et À tu peu poses sur près la un table. tiers, donc ça. Voilà. Ok. Ensuite, une partie du paquet qui te reste dans la main, tu poses à la droite de Ok. ce paquet. Et là-dessus, sur le côté, voilà, le Parfait. dernier. Maintenant, tu vas récupérer les paquets un à un en prenant Ok. celui-là, en le posant dessus, puis en Ok. posant dessus, Ok. et on va laisser le jeu sur la table. Parfait, je le laisse, j'y touche pas. Je vais te demander de. Tu te souviens, j'ai dit roi de cœur, hein, faut Ouais, pas roi de cœur, oublier. roi de Hein. cœur, j'ai bien le roi de cœur en tête. Tu vas me dire un nombre, allez, on va dire entre 10 et 20, celui que tu Ok, veux. 14. 14, très bien, donc c'est très simple, tu vas prendre le jeu et tu vas compter les cartes comme ça en comptant jusqu'à 14, on est Ok. d'accord? Donc vas-y, prends le jeu. Je compte 14 cartes, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Le Le roi roi de de cœur. cœur Et il n'y a pas d'autre roi de cœur dans le dans paquet. le paquet. Effectivement. Tiens, je vais en profiter avant de passer à l'explication de ce tour. Je vais en profiter pour te montrer un autre tour que j'ai trouvé dans ce livre, que Ok. je trouve très sympa avec trois paquets de quelques cartes. Okay. Donc je vais les mettre comme ça. Hop, et un dernier. Tac. Voilà. Je vais te demander de choisir un des trois paquets, Celui du milieu. de le mélanger, s'il te plaît. Ok. Et tu vas regarder la carte que le hasard a mis sous le paquet. Ok, je C'est la montre à bon? tout le monde, tourne la Ouais. tête. On est bon. C'est bon? Ouais. Tu poses le paquet sur le paquet que tu veux. Sur lui-ci. Super. Et maintenant, le dernier paquet restant, tu le poses dessus. Parfait. Super. Alors maintenant, je vais récupérer les cartes et on va utiliser une expérience un peu de voyance. C'est-à-dire que si j'épelle le mot passé, par exemple, PASSE, j'ai peut-être une carte qui pourrait m'indiquer, mais me dit rien, hein, qui pourrait m'indiquer plus ou moins la valeur de ta carte, ou la couleur peut-être du carreau, ou du rouge peut-être tout simplement. Présent, PRESSENT. Ah, on est clairement dans le rouge, hein, on a le roi de cœur ici, mais ce qui m'intéresse plutôt, c'est le futur, FUTUR, parce que tu sais que le futur nous donne parfois des surprises. Est-ce que tu peux me dire à haute voix ta Le carte? 3 de pique. Le 3 de pique. C'est génial. Tu sais que j'ai eu l'impression, Que au je moment, exactement, ratais. j'ai eu l'impression que tu ratais parce que j'imagine, j'ai une idée du principe, mais on va en parler tout de suite dans l'espace
Donc MD+. Et je peux vous donner mon impression maintenant sur l'espace MD+, c'est parti.